il y a l'anthropologie, il y a l'archéologie, mais il y a ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit clairement qu'il y a une tribu qui s'appelle Dan. Dan, c'est le nom d'une langue, de leur langue. Je voudrais vous dire que le surnom du peuple Dan est Yakuban. Et on dit Yakuban, c'est-à-dire les enfants de Yakou. Il y a au moins 70 ethnies en Côte d'Ivoire. Mais d'autres qui se disent appartenir à une tribu hébraïque et qui ont presque les mêmes mots. Venez voir. En 2011, deux rabbins franco-israéliens sont allés en Côte d'Ivoire, dans la région des 18 montagnes, à la découverte des Yakuba, une ethnie africaine prétendant être les descendants de la tribu de Dan, l'une des 10 tribus perdues d'Israël. Dans cette première émission, c'est à cette rencontre historique, car attendue depuis 2700 ans, que nous vous invitons. Il y a 20 ans, lorsqu'un révérend baptiste de Côte d'Ivoire, le docteur Robert Dion, décide d'enquêter sur les origines de son ethnie, le peuple Dan de la région des 18 montagnes. Quand j'ai commencé à croire en Dieu, j'ai été enseigné sur le plan biblique, j'ai vu l'histoire de Dan et je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on nous appelle Dan? Pourquoi on ne nous appelle pas autre, mais Dan? Et on dit Dan de Côte d'Ivoire. Alors donc j'ai commencé à m'interroger et après ces interrogations j'ai dit mais on ne doit pas s'arrêter là, il y a ce que dit la Bible, mais je vais voir si c'est le Dan, ce Dan là c'est différent du Dan dont parle la Bible. Alors c'est ce qui m'a poussé à faire des recherches sur l'origine de ma tribu. Donc d'abord j'ai commencé sur place. Et j'ai étudié par rapport à ce que dit la Bible et par rapport à la manière dont ma tribu vivait, dont la tribu d'Anie de Côte d'Ivoire vivait, les us et coutumes. J'ai commencé à les étudier, à les comparer avec celles qui sont dans la Bible. Et j'ai vu une grande similitude. Et en plus de cela, sur le plan linguistique, j'ai vu que les mêmes mots, souvent qui sont en hébreu, sont les mêmes mots que nous prononçons, nous exprimons dans des mots hébraïques. Alors je me suis dit, mais c'est fantastique, il faut que j'aille plus loin avec cette recherche-là. Et j'ai commencé à comparer les mots. C'est la même chose, mais avec 2700 ans d'histoire, ça fait longtemps. Cette histoire nous renvoie en effet il y a près de 3000 ans en arrière, en Israël, au temps du roi David. À cette époque, les Hébreux sont fédérés en 12 États. Un État par tribu descendant d'Israël. Mais à la fin du règne de Salomon, Jéroboam, fils de Nébat, provoque une révolte qui entraînerait une scission avec la royauté de David. 10 tribus sur les 12 le suivent et créent une nouvelle confédération, le royaume d'Israël, dont la capitale est désormais Samarie. Les tribus de Juda et Benjamin, restées fidèles à la royauté de David, deviennent le royaume de Juda, surnommé Judée, et dont la capitale est Jérusalem. Mais, comme le relate la Bible, les rois et habitants du royaume d'Israël finissent par délaisser le culte de l'Éternel pour se laisser entraîner
à imiter les pratiques idolâtres des peuples cananéens qui les entourent. Et ce, malgré les avertissements des prophètes Isaïe, Élie ou Élisée. Au bout de 200 ans, la colère divine tombe et Sennachérib, roi d'Assyrie et son armée venue du nord, envahit le royaume d'Israël. Il sera stoppé aux portes de Jérusalem. Les 10 tribus d'Israël sont alors déportées vers le nord-est et d'autres peuplades sont installées par Sennachérib sur leur territoire. C'est depuis que l'on parle des 10 tribus perdues d'Israël. D'après la Kabbalah, la mystique juive, 9 des tribus auraient été envoyées au nord-est et une au sud-ouest, la tribu de Dan. Au cours des siècles, nombreuses seront les légendes et suppositions sur le destin de cette tribu perdue. Certains voyageurs du Moyen-Âge l'auraient retrouvée en Éthiopie, d'autres chez les Berbères d'Afrique du Nord. Et c'est finalement en Côte d'Ivoire que le révérend Dion la retrouvera il y a 20 ans. Bon, j'ai pris 20 ans pour avoir toute une idée et toute une clarté sur l'origine des Danites de Côte d'Ivoire. D'abord, je suis parti du fait de savoir pourquoi on les appelle Dan parmi tant de tribus. Donc, j'ai eu la solution. Hein? Et ils sont donc hébraïques. Et une fois convaincu, j'ai commencé à convoquer des grandes rencontres. J'ai mis les Danites ensemble dans une association et j'ai commencé à les instruire, à leur ouvrir les yeux pour dire voici ce que vous êtes. J'ai écrit même des livres. Ça fait deuxième livre maintenant que j'ai écrit. Le premier livre était un essai. Le deuxième livre, l'enquête était plus poussée et j'ai donné des copies aux autorités. Le révérend Dion contacte aussi l'État d'Israël par le biais de son ambassade à Abidjan. Mais malgré l'intérêt porté par l'ambassadeur, la nouvelle de la découverte d'une tribu perdue restera ignorée par Israël comme le reste du monde, et cela jusqu'en 2010. C'est à ce moment qu'une grande exposition sur le temple de Jérusalem est organisée à Abidjan par un franco-israélien, Jean-Marc Rosenfeld, alors directeur du centre historique du temple à Jérusalem. À force de voyage en Afrique pour l'organisation de son exposition, Jean-Marc Rosenfeld reçoit le titre honorifique de grand rabbin de Côte d'Ivoire. C'est alors que le révérend Dion prend contact avec lui. Voilà, alors justement, pendant cette exposition, il y a eu un groupe de personnes qui m'ont dit « Nous sommes des tribus de Dan ». Alors j'ai dit « Qu'est-ce que c'est les Dan ?» Alors, j'ai demandé au révérend Dion qui m'a dit « Mais je vais vous expliquer ce que c'est. La tribu de Dan, c'est une des tribus perdues d'Israël. » Je dis « Comment ? C'est impossible, on n'en a pas parlé, personne ne nous en a parlé. » Et il dit « Non, non, si, je peux vous dire, j'ai même fait un livre sur l'histoire de ce peuple qui vient jusqu'à l'ouest, au nord-ouest de la Côte d'Ivoire. » Et donc, à cet endroit, ils sont encore aujourd'hui. Alors j'ai dit, alors écoutez, ça c'est vraiment quelque chose que je ne connaissais pas et je ne crois pas qu'on en ait parlé en Israël ni ailleurs. C'était quelque chose de tout à fait nouveau et récent. Alors, les concours de circonstances ont fait qu'après multiples voyages, le révérend Dion m'a demandé de venir avec une délégation pour découvrir ce peuple des Danes pour essayer de voir si effectivement cette tribu est vraiment une tribu descendant d'Israël. J'ai d'abord demandé en Israël si l'expérience était bonne, est-ce qu'il fallait le faire ou pas. J'ai demandé aux autorités religieuses qui m'ont dit oui, il faudrait y aller pour voir quand même ce que c'était. Jean-Marc Rosenfeld s'adresse d'abord au rabbin Eliyahu Avichai, connu pour être le grand spécialiste sur la recherche des tribus perdues. Mais celui-ci est trop âgé pour s'aventurer dans les 18 montagnes et ne parle pas français, langue officielle de Côte d'Ivoire. Il se retourne donc vers le rabbin Avraham Selem, qui dirige avec succès depuis plusieurs années un institut s'occupant de conversion au judaïsme pour francophones à Jérusalem. Du fait que il y a eu donc un éveil en Côte d'Ivoire,
d'un lien avec Israël, avec Jérusalem. Okay, je connaissais bien Chaim Rosenfeld et puis David Sherman qui se sont mis en contact avec moi, justement du fait que j'étais dans le contexte de la conversion. D'un côté, une ouverture sur le monde non-juif, mais d'un autre côté, un esprit comme ça, analytique et un peu tranchant pour essayer d'étudier la question et d'enquêter en voyant si réellement cette demande qui venait de Côte d'Ivoire, on pouvait retrouver des signes qui pouvaient les relier à l'histoire du peuple juif. Comme j'avais déjà réalisé pour La Source de Vie un film avec le rabbin Koujevski sur les juifs de Manipur et Mizoram en Inde au pied de l'Himalaya, j'étais donc un petit peu familiarisé avec ce genre d'enquête, et donc le rabbin Rosenfeld, qui est un ami, m'a demandé de l'accompagner lors de sa grande exposition sur le temple de Jérusalem à Abidjan, ce qui a donné un autre film qui est également passé à La Source de Vie. Et à ce moment-là, j'ai eu mon premier contact avec les Dalits. Pendant qu'on préparait l'exposition et que l'on sortait toutes les idoles et tous les éléments des vitrines, je vois dans un coin, au loin, un vêtement qui ressemble étonnamment à un talit, un châle de prière. Je suis assez surpris et je m'adresse au directeur de collection et je lui demande « qu'est-ce que c'est ?» Et il me répond « ah, c'est le Pan Yakuba ». Alors, qu'est-ce que c'est que ça ? La première fois que j'entends ce nom-là, il me répond « ah, les Yakubars, on les connaît aussi sous le nom des Danites ». Soudain, je commence à réaliser. J'en avais entendu plus ou moins parler par le rabbin Rosenfeld. J'avais commencé à en rencontrer quelques-uns en Côte d'Ivoire. J'avais entreaperçu le livre du révérend Dion. Et d'un coup, je me rends compte que cette histoire n'est pas une légende, c'est une réalité. Ces gens-là ont réellement un vêtement qui ressemble aux vêtements des traditionnels des Hébreux. Et on les appelle Danites. J'avais pas encore fait le lien aussi sur leur nom, Yakuba, qui, d'après l'une de leurs explications, veut dire fils de Jacob. C'est en tout cas le premier contact que j'ai eu avec eux, et de là j'ai commencé à m'intéresser au sujet. Les Danites, ils sont nombreux, ils sont sur tout le territoire, et on peut évaluer sur les 20 millions d'habitants, on peut évaluer les Danites à 2-3 millions. Sur les 20. Bon, aujourd'hui, parmi les Danites, vous allez trouver des chrétiens. Il y a des animistes, évidemment, qui sont là, ils disent qu'ils croient en Dieu seul, mais ils n'ont pas d'autres religions. Il y a d'autres qui sont dans l'islam, la majorité plus chrétiens, des deux côtés, catholiques et protestants. Les enquêteurs s'envolent donc pour Abidjan, en Côte d'Ivoire, d'où partiront les recherches. Et donc, nous sommes partis avec également un homme de sécurité d'Israël qui est venu avec nous. Et le révérend Dion était donc avec nous puisque c'était l'instigateur de ce voyage. Mais il y avait également un des adjoints du ministère de la Culture et donc qui était avec nous et également de l'éducation. Et ce qui était intéressant, puisque finalement c'était quand même sous égide gouvernementale et donc avec un sérieux, ce n'était pas une aventure comme ça qu'on faisait un petit peu au hasard. Et le petit groupe quitte donc la capitale pour un parcours de 800 km dans la forêt jusqu'à la ville de Mans, capitale des Danites. Les rabbins sont souvent arrêtés par des passants qui réclament des bénédictions de la part des rabbins de Jérusalem. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Merci pour cet accueil et que c'est qu'un début de notre rencontre. Alors
ça c'est assez marquant parce que à Jérusalem, on ne nous aurait pas sur la route pour avoir des bénédictions, mais là-bas, nous avons eu l'occasion de voir non seulement sur la route, mais également dans les supermarchés à Abidjan, sur les parkings où les gens viennent en voyant, en disant Rabbin, Rabbin, bénissez-nous, bénissez-nous. Et c'est extraordinaire parce qu'on voyait le plaisir qu'ils avaient de rencontrer des gens d'Israël et surtout des rabbins. Dès que l'on arrive dans les 18 montagnes, on sort de la jungle et on se retrouve dans un autre monde. On se retrouve en Suisse, ou j'allais dire plus exactement à Kiryat Shmona. Hein, en Israël, c'est un décor tout à fait similaire, Kiryat Shmona là, qui est sur le Golan, et le décor ressemble tout à fait à ce moment-là. Ce sont des hauts plateaux avec beaucoup de champs, beaucoup de cultures, d'agriculture. Ça rappelle aussi étonnamment la Suisse. Et ça n'a rien à voir avec le reste de la végétation que l'on a vue en Côte d'Ivoire. C'est assez étonnant de voir que c'est l'endroit qu'ont choisi les Danites pour aller s'installer. Une région qui est un petit peu à part. Et c'est ceux-là qui sont venus, une partie, qui se sont maintenant finalement installés à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Ils ont trouvé un site qui est pareil à leur site en Israël, ou là où ils étaient, à Gonda, dans les montagnes de l'Afrique de l'Est, là. Alors, ils se sont installés là, à Ma. La ville en elle-même est une ville moderne, relativement riche, et elle est entourée d'un certain nombre de villages qui sont pour la plupart sur les 18 montagnes qui entourent cette ville. Le problème de la ville de Mans, au moment où l'on a fait l'enquête, mais je crois que c'est encore plus flagrant aujourd'hui, c'est sa situation géopolitique. La grande majorité des habitants de la ville sont chrétiens. C'est une ville chrétienne. Or, cette région, le nord de la Côte d'Ivoire, est une zone musulmane. Et au moment où l'on a fait l'enquête, le pays était en pleine guerre civile entre le gouvernement d'alors, qui était tenu par le président Gbagbo, chrétien, et les forces rebelles de l'actuel président, le président Ouattara, qui lui est musulman. Et les forces rebelles musulmanes avaient envahi la ville et l'occupaient. Ce qui fait que la ville se retrouvait être une enclave chrétienne au cœur d'un territoire musulman, ce qui n'est pas une situation très agréable et pour les habitants de la ville et qui en même temps a posé beaucoup de problèmes à l'enquête. D'abord des problèmes concrets, on ne pouvait pas rentrer et sortir de la ville sans montrer nos papiers ou passer toutes sortes de contrôles militaires, mais surtout on sentait chez les habitants du Mans une peur absolument terrible. Ces gens étaient terrifiés. C'est vrai qu'on est parti là-bas 6 mois avant les élections et que les gens qui étaient là-bas étaient très très tendus, ils avaient peur. Les gens qui ont suivi un peu la formation de ce qui se passait en Côte d'Ivoire avant les élections, il y avait les rebelles qui s'attaquaient aussi à une grande partie de la population qui habitait là-bas vers le Mans. Donc il y avait une grande tension, mais d'un autre côté, j'ai ressenti comme ça une attente d'Israël.
peut-être une grande attente politique, peut-être aussi une certaine attente spirituelle. Alors, effectivement, nous avons été surveillés en permanence. Nous avons été donc surveillés pour notre sécurité, mais également pour savoir où nous allions et que nous faisons. Mais dans l'ensemble, nous n'avons pas eu de problème du fait que nous avons été logés dans la maison d'un des ministres qui avait sa maison là-bas. Les rabbins et enquêteurs sont logés durant tout leur séjour à Mans, dans la somptueuse villa du ministre de l'Éducation de Côte d'Ivoire, qui est lui-même un danite. À leur arrivée, ils sont accueillis par quelques anciens et chefs de village ou de canton qui sont venus avec leurs vêtements traditionnels pour leur faire honneur. La délégation, dirigée par un ancien général, invite les rabbins et visiteurs d'Israël à une réunion en langue danite. Kolos, général, les anciens sont venus en fait examiner ces rabbins d'Israël pour voir s'ils sont dignes de recevoir toutes les informations qu'ils réclament. Tel l'arroseur arrosé, les rabbins étaient venus pour observer et c'est finalement eux qui se font observer. Mais ils passent l'épreuve et sont déclarés aptes à poursuivre leur enquête. Nous sommes, et je parle au nom de la chefferie traditionnelle, nous sommes heureux et réconfortés de les recevoir ce soir sur la terre de Mans. Nous savons et nous aurons demain l'occasion, de façon publique, de les féliciter, sinon de les remercier pour leur volonté manifeste de rechercher leurs parents perdus à travers le monde. Parce que nous savons que le jour arrive où quand les 12 tribus d'Israël seront réunies, Israël sera le centre de la terre parce que c'est la terre bénie de Dieu. Voici tout ce que je voudrais dire pour l'instant. Je vous remercie. Les rabbins étant maintenant officiellement acceptés par les autorités danites, l'enquête peut désormais commencer. L'une de nos autorités, n'est-ce pas, traditionnelle ici. Voilà, et donc, il est très sage. Il est très sage et vraiment nous nous réjouissons d'être à ce côté et de pouvoir profiter de ce conseil. Je vous prie de vous asseoir. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez est-ce qu'il reste aujourd'hui quelque chose d'hébraïque? Ce serait ça fait 2600 ans. Non, 2500 et quelques. C'est pas évident. Comme disait mon cousin, ce que le peuple d'An a conservé dans son exode, c'est la langue. Quelques mots qu'on retrouve au Niger, chez les Peuls. Or, au-delà de tout ça, voilà qu'en Israël, on vient d'entendre des similitudes entre les mots qui disent la même chose. On a gardé le maximum de mots, on a gardé ça. On garde ça. Et de génération. Ce qui est important, c'est de voir les. Ah oui. De voir aussi les coutumes. Oui. Vous voyez, par exemple, l'eau. L'eau. L'eau de tout à l'heure. Oui. Avec Abraham. Oui. Le pectoral. Oui. Il doit y avoir plein de. Oui, il y a beaucoup de choses qu'on a gardées. La circoncision des mâles de génération. Et c'est toute une fête. Et chez nous, si vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez pas vous asseoir avec les grands. Ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que vous n'êtes pas mature. Vous êtes celui qui n'est pas circoncis, ne participe pas aux festivités, à certaines. Même il ne peut pas se marier. Vous voyez, quand vous portez le châle, tanit, quand un dani voit, il dit, mais c'est le baou il porte. Parce que
ce tissu, généralement, c'est avec cette bande. Cette bande. Bon, maintenant, il y a eu... Mais quand on vous donne ce tissu-là, avec cette bande, c'est sacré. C'est la perfection. Cette bande. Mais demain, vous allez voir beaucoup de poètes. Le lendemain est un grand jour. En fait, une journée historique que les Danites ont appelée « journée de restauration du peuple Dan ». Tous les chefs de village ou de canton, des prêtres et des sorciers, des rois ou princes danites, ainsi que des hauts administratifs, ont bravé les barrages militaires et se sont réunis pour voir les rabbins de Jérusalem. Ils sont chrétiens, musulmans ou animistes, mais ils ont décidé de mettre de côté pour une journée leurs querelles religieuses et politiques, et ce, malgré la guerre civile, pour se mettre d'accord sur un point, la confirmation officielle qu'ils sont des descendants de Jacob et sont des Hébreux. Et ces retrouvailles, attendues depuis 2700 ans, sont inaugurées par la Birkat Kohanim, la bénédiction que faisaient les prêtres dans le temple de Jérusalem. En l'absence de Cohen, c'est le rabbin Rosenfeld qui l'exécutera, avec l'accent alsacien, s'il vous plaît. Un sorcier ou grand prêtre, que dans leur langue on appelle Kohen Godé, ce qui pourrait s'apparenter à Kohen Gadol en hébreu, prend alors la parole pour rappeler qu'il est interdit à des étrangers d'assister à un conseil des chefs. Pour y participer, il faut obligatoirement remplir quatre conditions. Il faut faire partie du peuple Dan, être circoncis, être un homme important et porter le bawé, vêtement traditionnel des Danites. Le prêtre appelle donc les chefs Danites à voter pour décider si le peuple Dan vient bien des Hébreux et est donc de la même famille que ces rabbins venant d'Israël. Remarquez que leur mot d'acceptation se dit dans leur langue « Amen ». Un jeune roi danite, qui vient de remplacer son père, va immédiatement officialiser le vote. Nous voulons, Danites de Côte d'Ivoire, proclamer haut et fort que nous sommes vos frères, chers parents. Nous vous souhaitons un beau séjour, non seulement en Côte d'Ivoire, mais dans votre famille. Ceci étant, le peuple Dan fait de vous les Godes. C'est pourquoi... Les rabbins sont donc confirmés frères des Danites. Comme ils sont également déjà circoncis, il ne leur manque plus que l'habit traditionnel. Qu'à cela ne tienne, des vêtements de dignitaires leur ont été préparés. Toda. Toda Rabba. Toda. Merci. Rabba beaucoup. D'accord. Toda Rabba. Le rabbin Selem a quelques difficultés pour enfiler son bawé, mais il va vite trouver une solution qui va faire sensation. Comme vous pouvez remarquer, le révérend Lyon l'a déjà souligné dans son livre, que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt. On a ici différentes je ne sais pas comment on pourrait le passer. Sept banques. Des bandes. Sept bandes.
En signe de soumission au vote et de volonté à se lier à Israël, le grand prêtre offre à Jean-Marc Rosenfeld, grand rabbin de Côte d'Ivoire, le bâton des chefs d'Anite. On remarquera que celui-ci représente une femme nue, symbole de la mère nourricière, ce qui n'est pas sans créer une certaine gêne chez les rabbins qui se garderont bien de créer un incident diplomatique. Et nous avons donc fait partie à ce moment-là de leur délégation, c'est-à-dire que nous étions adoptés dans leur famille. C'est alors que sont confiées aux rabbins une charte et une liste de doléances à remettre à la Knesset, le Parlement israélien. Rabbin, chef de délégation, c'est à vous que je m'adresse. Je m'adresse à vous au nom du peuple d'Israël. Nous souhaitons vivement qu'Israël implante à nouveau une synagogue en Côte d'Ivoire. Plusieurs synagogues dans toutes les régions d'abord de la Péma, qui est votre terre. Venez implanter des synagogues partout pour que nos parents puissent revenir au Dieu unique. Cette charte, c'est une épée à double tranchant. D'un côté, oui, c'est le geste officiel qu'ils ont fait pour clamer haut et fort leur lien avec le peuple hébreu. Et si je devais me mettre à leur place, je ne vois pas forcément ce que je pourrais faire d'autre. On ne peut pas faire quelque chose de plus officiel. D'un autre côté, c'est un geste qui n'est pas religieux, mais plutôt un geste politique. Et par conséquent, pour les rabbins, je comprends que ce geste puisse être interprété de façon suspicieuse. Est-ce que leur histoire elle est sérieuse? Est-ce qu'elle n'est pas sérieuse? Ça peut être pris dans les deux sens. Il y a eu deux rabbins, et chacun des rabbins l'a interprété d'une façon différente. Pour nous, c'était extraordinaire, parce que pour nous, c'était une révélation. Comment ce peuple qui est dans la nature, qui vit dans un endroit quand même un peu retranché, avec des habits, avec une tradition, souhaite qu'Israël intervienne et soit vraiment là avec eux. Donc ce n'est pas n'importe qui, c'est des chefs de tribu, c'est des décisionnaires. Ce n'était pas, comme on dit, monsieur tout le monde, c'était vraiment des décisionnaires dans le pays. Et nous avons donc été vraiment surpris, je crois que le Rav Selem et moi-même, on a été surpris, même toute la délégation qui était présente a été surpris de voir que ces gens attendaient tellement d'Israël. Donc ça nous a marqué. Moi, sur le moment, ça m'a gêné. C'est-à-dire que on était venus et on a une responsabilité sérieuse de faire une enquête et de rechercher si réellement ils ont un lien, même loin, avec le peuple d'Israël. Que quand on soit là-bas, quand on est sur place, ça soit réutilisé politiquement pour faire des doléances à Israël. Je sentais qu'on était déjà en dehors du but de notre mission. Il faut donc approfondir l'enquête. Et pour cela, le seul moyen est de sortir de la ville de Mans pour aller dans les montagnes, au-delà des nuages, dans les quelques villages reculés où il reste encore une case sacrée, une maison de prière que les Danites prétendent être une réminiscence du temple de Jérusalem. Ces villages, cachés dans la brume et que l'on ne peut voir depuis la vallée, sont au cœur du territoire occupé par les rebelles. C'est en fait dans ces villages isolés, à l'abri derrière leurs nuages, comme les Hébreux, protégés par les nuées célestes durant leur exode dans le désert du Sinaï, que les Danites ont vécu pendant plusieurs siècles. Et ce, jusqu'à l'arrivée des colons français, qui les ont fait descendre dans la grande ville de la vallée du Mans. En se rendant dans ce qu'il reste de ces villages, les rabbins espèrent en apprendre plus sur la culture annamiste des Danites et voir s'il y a des liens avec les fêtes et lois juives, ou même des ressemblances avec les rites païens des Cananéens. Pour les aider dans cette tâche, le président de la Cour suprême de Côte d'Ivoire, qui est un Danite, a délégué son adjoint,
qui se trouve être un grand connaisseur de l'histoire et de la culture d'Anne, et se chargera d'expliquer, traduire et guider les rabbins dans leur enquête. Et tout d'abord, de leur montrer enfin la fameuse case sacrée. Le Saint des Saints. C'est qui rentre à l'intérieur et qu'est-ce qu'on fait dans le Saint des Saints? À l'intérieur, il y a, comme je vous l'ai dit, en principal, le sage. Sinon, le sage des sages, qui est là-bas. Mais comme Dieu aime le peuple, il est entouré par les autres sages qui, après avoir harmonisé les points de vue de dons qu'on demande auprès de Dieu, et on le met dans les mains du sage des sages qui, lui, à son tour, l'offre à Dieu au nom de l'intéressé et de tous ceux qui sont venus. Non, ils enlèvent les chaussures quand on est intéressé de voir qu'il y a dans le temple. C'est qui sur le parvis? C'est un des Cohen. Il y a un Cohen qui sonne, oui, qui sonne du chauffard. Et les gens avant de rentrer, ils enlèvent leurs chaussures. Voilà, excellent. C'est le corps du dent de la région des montagnes de la Côte d'Ivoire. Les sages vous en offrent pour que vous montriez à nos parents d'Israël que nous sommes là, nous demeurons, même s'il y a la métamorphose, mais les séquelles demeurent. Ça, c'est une preuve. Le grand prêtre qui, la veille, avait offert un bâton de chef est venu bénir les rabbins de Jérusalem. Pour cela, il fait des libations d'eau, comme on le faisait déjà au temple de Jérusalem. En versant de l'eau à terre, on réunit les eaux d'en haut et les eaux d'en bas afin de faire descendre la bénédiction sur la terre. Mais ce n'est pas terminé. On y rajoute une coutume locale que les rabbins n'ont pas prévue. Et le groupe repart pour s'enfoncer toujours plus haut dans les montagnes et rejoindre Biélé, le dernier village d'Anite authentique, où l'on trouve encore des anémistes, surtout des anciens, qui ne parlent pas non plus le français. Bien que le village soit isolé, la communication a été faite que des rabbins d'Israël arrivent et ils sont accueillis par des tambours, mais aussi des femmes venues chanter et danser en leur honneur. Elles se sont pour l'occasion peinturlurées le visage et les bras de cercles et points blancs, symbole de la vie chez les Danites. Thank you.
après avoir traversé tout le village, les rabbins sont reçus dans la salle du conseil, où les attendent en grande pompe les anciens, ainsi que le grand prêtre, habillé avec une tenue de couleurs différentes. À l'extérieur, les danses continuent dans un vacarme enivrant, et Sa Majesté Christophe doit sortir pour réclamer le silence. Le chef du village commence la rencontre lui aussi par des libations d'eau. Et là encore, les visiteurs sont revêtus du baoué afin de siéger au conseil et de pouvoir parler avec le grand prêtre. Voilà. Et l'habit que vous portez, elle vient d'où? Il vient d'où cet habit? Ce que je porte, je vous ai dit que je le détiens de mes prédécesseurs, des anciens. Et c'est fait ainsi, et moi je le porte aujourd'hui. C'est transmis de génération. De génération, oui. D'accord. Vous portez ce vêtement tous les jours ou quel jour vous portez ce vêtement? On ne le porte pas tous les jours. C'est à des événements comme ça, des événements heureux, des moments précis qu'on porte ça pour que les gens sachent qu'il y a une autorité ancestrale qui est revécue à travers cet appliment. Après avoir répondu pendant près d'une heure aux questions des rabbins, le grand prêtre les conduit sous la pluie près de la case sacrée. Mais il ne les autorisera pas à en voir l'intérieur. Que leur a-t-il dit? Et qu'est-ce que l'adjoint du président de la Haute Cour de Justice leur a expliqué dans le village précédent? Pour avoir plus de précisions, les rabbins rencontreront des anthropologues et des spécialistes à Abidjan et Jérusalem. Ce sont toutes ces explications sur la vie, la culture et la religion des Danites que nous découvrirons dans une prochaine émission afin de mieux comprendre ce qui les rattache au judaïsme et en fait peut-être des Hébreux.